Hey, c'est John, c'est Fuse Mécanique, j'espère que vous allez tous très bien. En tout cas, moi ça va nickel. Et du coup, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Minecraft. Et comme vous l'avez dans le titre et dans la miniature, on va faire du coup un échangeur de blocs. Donc, vous pouvez avoir un établi qui change, ou un métier à tisser par exemple, ou un tailleur de pierre. Et du coup, on va tout de suite faire ceci. Donc on va tout de suite commencer, j'ai mis le jour parce que ce sera beaucoup mieux. Donc vous aurez besoin de ces items. Voilà, donc là c'est vous qui choisissez, vous en choisissez deux, sauf si vous voulez faire après plusieurs systèmes. Vous aurez besoin de ces objets là. Donc là les blocs j'ai pas encore défini exactement. Donc on va prendre tout ça. Voilà, moi pour l'instant je vais prendre celui là et celui là. Bon, vous pouvez changer après. Donc un trou de 3 par 5, voilà. On va creuser deux blocs en dessous, en profondeur. Tac. Voilà. Donc, comme ceci. Ensuite. Désolé, mon logiciel de montage a coupé, je ne sais pas pourquoi. Bon, bref. Donc, du coup, vous allez placer deux blocs juste ici. Là, sur le deuxième bloc, on va placer une torche de redstone. Donc, elle va être allumée. Là, sur les deux blocs, vous allez placer deux pots de redstone, comme ceci. Ensuite, une dalle, comme là, comme ceci. Là, on va poser un bloc pour poser une dalle. Vous allez poser une dalle juste là, comme ceci. Et là, une deuxième. Donc là, on va pas poser une pote de redstone dessus. Vous allez placer un répéteur au deuxième cran. Ensuite, un piston collant. Comme ça. Alors, là, on va placer un autre répéteur. Donc celui-là, vous le laissez comme il est, donc au premier cran. Là, le piston va se lever, c'est tout à fait normal. On va prendre un des deux blocs. Vous allez en placer un là, par exemple. L'autre ici. Pourquoi il se met dans ce sens-là? C'est pas bien. C'est pas grave. Moi, j'ai mis ces deux blocs. Après, vous pouvez vraiment... vous pouvez pas tout mettre parce qu'il y a des blocs qui sont pas déplaçables. Donc, après, là, juste là, une poudre de redstone. Là aussi, on va placer un piston collant juste en haut. Comme ça. Et il va y avoir un bloc. Un bloc au-dessus. Je me suis trompé. Vous allez placer un piston collant comme ceci, suivi d'un bloc. Voilà. Et là, vous allez mettre votre entrée. Je vais prendre quand même un meilleur bloc, je pense. Vous pouvez totalement mettre votre entrée là. Donc, juste devant le piston. Moi, je vais prendre deux landésites. Tac. Et là, vous avez votre échangeur de blocs. Donc, je tiens à dire, ça marche en 1.16 parce que là, je suis en 1.16. Donc, je pense que ça marche dans toutes les autres versions avant. C'est vraiment le bon timing et tout. Je vais faire de la déco. Je vais faire un peu de déco. Voilà les amis. Donc j'ai fait la déco. Voilà. Donc j'ai mis un peu de bois et tout. Et donc là vraiment c'est totalement fonctionnel. Vous pouvez utiliser les objets comme vous voulez. Par exemple on va prendre de la pierre. Si vous savez pas trop comment ça marche cet objet. Vous mettez de la pierre. Voilà et vous pouvez choisir. Ça vous coûte beaucoup moins cher en fait. Ça vous coûte une de pierre. Hop. Juste là. Ça vous dans zone 2 alors que ça... Alors que là, par exemple, un escalier, ça en utilise qu'une. C'est vraiment trop bien ce truc-là. Donc là, voilà, ça fonctionne. Et ça, si je veux améliorer un stuff en diamant, en ésurite, j'ai juste à prendre un stuff en diamant avec le lingot de ésurite. Tac, et ça marche. Voilà, vous casque, tac. Et ça vous fait un casque. Voilà, c'est magique. Donc j'espère que ce petit système vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Il y a mes réseaux sociaux en description, mon serveur Discord. Voilà, on discute ensemble, on s'amuse aussi. Un peu, donc vous pouvez aller le voir. C'était Fuse Mécanique, je vous dis à la prochaine. A plus pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao. Changes.